Sylvain Doudou. Tu es là depuis quelques années, à Djerba, et tu es le vice-président de l'association des Ivoiriens, qui compte plus de 200 éléments à Djerba. Et ce que je trouve intéressant, à part le travail que vous faites là, ce qui se passe au niveau langue et culture dans ton pays d'origine. Tu m'as raconté tout à l'heure que vous êtes un pays multiethnique, où il y a beaucoup de langues, et que parfois il est difficile de communiquer entre les gens d'un village et un autre. Qu'est-ce qui se passe au niveau des langues? Comment vous faites? Faut-il connaître toutes les langues de la Côte d'Ivoire, ou vous utilisez une autre langue en commun? Bon, en Côte d'Ivoire, nous avons plus de 60 ethnies. Mais entre ces 60 ethnies, quand une ethnie s'exprime, on sait d'abord de quel groupe ethnique qu'elle vient. Donc, pour cela, nous avons une ethnie un peu commune, qu'on appelle le Nushi, où toutes les langues se représentent. Et après, c'est le français qui est notre base, le français. Même oui. Que tu ne partes à l'école ou quoi, nous nous exprimons plus en français. Donc ça veut dire qu'au niveau commercial, politique, social, le français, il est vraiment très répandu. Oui, oui. C'est le français qui est notre langue de base. Nous avons bien sûr que des langues maternelles, mais c'est en français, nous nous communiquons plus. Puisque le gouo, le bété ne se comprennent pas. Le gouo, le sénifo ne se comprennent pas. Le guéré, les dida ne se comprennent pas. Nous avons plus de 60 ethnies. Donc à la télévision, normalement, ils parlent quelle langue? Le français. Et puis chaque groupe ethnique a son jour de communication pour annoncer souvent des événements. Donc dans ce cas-là, le fait d'avoir une langue en commun, ça aide beaucoup au niveau de socialisation, oui, et de communication. Surtout le français qui nous unit. Grâce au français, on se comprend. Grâce au français, on sait de quoi je suis animé. C'est le français qui est notre base. Même si on le parle souvent d'une manière gauche, parce que c'est pas tout le monde qui respecte la grand-mère. La grand-mère. Ah oui, je peux dire le banane, je peux dire la monsieur, mais on sait que c'est de quoi nous parlons. Souvent, c'est le français qui est notre base. Et si je te demandais, par exemple, s'il y a quelque chose en particulier qui te manque en ce moment de ton pays, après des années que tu es là, c'est quoi qui te manque énormément? Ce qui me manque, c'est la liberté, l'indépendance, la franchise du côté de nos colons. C'est-à-dire, on demande à nos colons, on ne veut pas se débarrasser d'eux, mais il faut qu'il y ait un partage à part égale. J'ai mon maïs, je le vends. Il dit 50 dinars, 50 francs. La France veut le payer à temps, il faut qu'on s'attende. Voilà, la communication. La communication, le respect. Le respect mutuel. Voilà. Quel que soit nos moyens, il faut qu'on reconnaisse qu'un tel pays est indépendant, un tel pays est souverain. Voilà, vive la Côte d'Ivoire. Vive. Hein? Voilà. Bonne chance. Merci. Merci Sylvain. Merci à vous.